notre profession de foi et de s'employer à mieux faire connaître le jazz au grand public. La structure de base choisie, sur laquelle notre action devait s'appuyer, fut celle d'un club de jazz discothèque, proposant à chaque séance une formation musicale. Ainsi est né le Hot Brass à Aix-en-Provence. Ainsi, tant dans le choix des enregistrements que dans celui des orchestres, la volonté a toujours été de mettre en avant la palette la plus complète possible des différentes teintes qui colorent le jazz de ses origines à ses formes les plus actuelles. En 1985, nous avons réalisé une émission sur Marcia Maria, la chanteuse brésilienne réputée, dont l'interview a été menée par Claude Carrière, producteur à France Musique. Les jazzmen qui arrivent pour nous écouter, ils se disent, on prend de la bossa nova aussi et on met dans le jazz. Et nous, les Brésiliens, on prend de le jazz et on met dans la musique brésilienne.